Puis la perception, c'est bien plus fort que la réalité. Moi, avant, j'étais le king de V, OK? Je faisais des grosses cotes d'écoute, les gros salaires, mes affaires, ça roulait. Puis à un moment donné, les boss de V m'ont mis dehors. Puis ils m'ont expliqué pourquoi. Ils m'ont dit, avec ton genre d'humour, on a peur que ça génère des scandales, puis on veut pas être associé à ça par la bande. Fait qu'à la place, ils ont engagé Éric Salveille pour me remplacer. Ouais, ils se sont mis un doigt dans l'œil, comme qu'on pourrait dire, puis je pense que t'as pas un doigt, puis je pense que t'as pas dans l'œil, tu sais. Puis moi, je suis pas Jésus, mais des fois, j'ai l'impression d'être planté sur une croix puis de pas pouvoir bouger de là, dans le sens, tu sais, que si je fais des affaires grand public, le monde fait asti merci, zéro intégrité. Puis si je fais mes affaires, le monde fait asti merci encore, qui sont asti d'humour de cabochon. Et je trouve qu'un des exemples qui l'explique le mieux, c'est à un moment donné, je rencontre une fille, puis elle me dit « Prends-les pas personnel, mais moi, ton humour me rejoint pas du tout. » Ben, c'est parce que ça, je fais d'envie. Là. C'est dur de ne pas le prendre personnel. C'est de moi que tu parles, tu sais. Elle dit non, ben, elle dit, tu sais, moi, le monde qui font juste crier. Hein. Je fais, coudonc, quel show t'as vu de moi, toi? Hein? Ben, elle dit, aucun, je viens de te le dire, j'aime pas ça quand quelqu'un fait juste crier. Puis là, j'aurais le goût de crier après, mais je peux pas, tabarnak, moi, il donnait raison, tu sais. Ben... Fait, j'ai dit, on l'a compté, et dans mon dernier show, je criais exactement 4 minutes sur un show qui dure 100 minutes. Elle dit, ben, je vois pas le rapport. Elle dit, je vois pas le rapport. Il dit, passe-moi 100$, mais t'en remettre 4, tu vas de suite. C'est quoi le rapport?